D'abord, Jordan Bardella, merci beaucoup à vous d'être resté à vous. Et bonjour, je vous salue. Merci d'être resté pour écouter Gaspard Prose. Bonjour Gaspard, comment ça va ce matin ? Gaspard, comment ça va ce matin ? Écoutez, l'heure est grave, la maison brûle, mais nous regardons ailleurs. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, une hirondelle ne fait pas le printemps et t'en vas à la cruche à l'eau qu'on aimerait savoir ce qu'elle pourrait raconter comme conneries si elle allait au fût rempli de cognac. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un ton bien solennel ce matin. Écoutez, en tant que membre VIP du syndicat de la magistrature... Puisque nous accueillons ce matin M. Bardella Jordan, je me dois de rappeler la harangue du juge Baudot, notre saint patron. Soyez partiaux, examinez toujours où sont le fort et le faible, qui ne se confondent pas nécessairement avec le délinquant et sa victime. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre son père, pour l'ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police et bien sûr, pour le bouffeur de nouilles venu voler le travail du porteur de baguettes en béret. Oui, ce matin, nous accueillons avant tout une victime, un Rémi sans famille politique, qui logiquement, de par son cursus et ses origines, aurait dû atterrir comme répétiteur de Bella Ciao chez LFI. Cruel destin que celui de notre invité, naître blanc dans le 9-3, s'appelait Jordan, et ne pas faire carrière chez les Los Angeles Lakers, Chicago Bulls, ou les Colmar Hamsters, constituent en soi une discrimination insupportable. C'est quoi ça, les Colmar Hamsters ? Oui, je sais, ça n'existe pas, on s'en fout. Je disais donc, avant d'être interrompu par le tir au flanc matinalier ukrainien, bien planqué au chaud derrière son micro bleu, c'est à croire que ce poste est juste une planque pour gérer en douce le PEA de Zelensky. On t'aura, Vladimir. Je disais que ce matin, nous accueillons d'abord et avant tout une victime qui a le droit de parler du drame migratoire, qu'elle en fut elle-même la victime résiliente, un exemple même. Car qui peut se vanter, comme Jordan Bardella, de s'être, malgré ses origines tunisiennes, parfaitement intégré au sein d'une famille bretonne de Saint-Cloud ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Il n'est pas du tout d'origine tunisienne, italienne. Vous l'avez insinué vous-même d'ailleurs au début. Fake news ! Vous tombez dans le panneau comme tous vos collègues, mais après tout, vous êtes journaliste. N'est-ce pas là votre pente naturelle ? Et ne suis-je pas moi sur cette matinale comme une sorte de téléski du bon sens ? Bon, alors... Comme vous, vous avez l'air de savoir. Racontez-nous la véritable histoire de Jordan Bardella. Avec plaisir. L'arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père de Jordan était un pêcheur célèbre de la baie de Sfax, Tunisie. Sonia connaît bien, c'est son secteur. Il ne s'appelait pas Bardella, mais Jean-Michel Ben Saoud El Mektoub El Chenifi, la baie, alhamdoulilah, la famille, ça va. Comme peuvent le constater nos auditeurs, un nom bien plus facile à porter comme président de club de foot que pour remplir un formulaire à Pôle emploi. Oui, son aïeux était le pêcheur de bar le plus réputé de la région. Tous les matins... Il pêchait des barres immenses dans une crique d'un turquoise que ne renieraient pas les yeux de Muriel Robin, si seulement ces derniers étaient ceux d'Isabelle Adjani. Un jour, un voyageur qui passait par là, voyant l'impressionnante quantité de poissons attrapés dans la cagette, demande au pêcheur « Il vient d'où ton bar ?» Et le pêcheur de répondre en pointant la crique « Le bar, de là !» Ainsi naquit le nom de Bardella. Je sais pas ce que vous avez pris avant d'écrire la chronique, Gaspard, mais quand même... Je viens d'arrêter le café, je me suis mis à la chicorée. Putain, ça déménage. Bon, vous imaginez qu'on l'a surtout invité pour parler de la crise migratoire et de ce qui se passe à Lampedusa. Bien sûr, et c'est là on voit le mépris des médias vis-à-vis des représentants du Rassemblement National. On ne les appelle que pour parler tourisme, farniente et balade sur banane tractée par hors-bord. Parce que Lampedusa, au fond, c'est quoi ? C'est le Mykonos du micro en basse saison, le Saint-Barth de la bouée Snoopy dérivante. J'imagine que vous avez un avis sur cette situation humanitaire, écoutez, Gaspard. Moi, ça me met très mal à l'aise. Pourquoi ? Enfin, vous le savez, je suis avant tout un homme de gauche, la caution progressiste de cette matinale, comme une sorte de Laurent Geoffrin du rire éco-responsable et comme tout humaniste, internationaliste, solidaire, festif, citoyen, multiprise et aimant l'odeur de chien mouillé, je pense que l'immigration est une chance et plus, c'est une richesse. Comme disait Jay-Z, Ocean Viking is the new bling, baby. Et la question que je me pose en voyant ce qui se passe, c'est mais pourquoi l'Europe a autant de chance ? Qu'est-ce qu'on a fait pour avoir le cul bordé de nouilles ? C'est quand même pas normal de gagner tous les jours à l'euro million. Moi, j'ai vu les images de Lampedusa, mais t'as l'impression que c'est le trésor de Rackham le Rouge qui venait de s'échouer sur les plages. Mais heureusement que ce qui sauve l'histoire, c'est la délicatesse de la réaction européenne face à ce cadeau. Ah oui, la délicatesse. Hein. Non mais Dimitri, logiquement, si l'immigration est une chance, les pays devraient se battre entre eux pour récupérer la plus grande part. Je veux dire, on va quand même pas laisser à l'Allemagne récupérer tous ces gens. Ils ont déjà eu Einstein, Nietzsche, Bach, Wagner, Caspar Friedrich, Goethe. On va pas encore les laisser prendre de l'avance. Mais ce qui est beau, ce n'est pas du tout à la foire d'empoigne à laquelle on assiste. Ah, effectivement. Hein. Oui, chaque pays dit à l'autre, dis donc, tu voudrais pas en prendre un poil plus de la richesse parce que nous, bon, imagine, c'est comme si t'étais à un dîner, qu'on venait de poser un kilo de caviar sur la table et que chaque invité disait, pas pour moi, merci, je me sens ballonné. À domani. Et belle réflexion. Eh oui. Vous confirmez, Jordan Bardella, l'étymologie de votre nom de famille ? Ah non, mais ne pas de me faire valider par Bardella, après je suis mort, laisse tomber. C'est un peu plus complexe que ça. Ah, voilà. On a Édouard Philippe donc ce matin. Un voile de mystère sur la légende, magnifique. Merci beaucoup Gaspard. Merci à vous. Et merci Jordan Bardella d'être resté avec nous. Dans un